Et bonjour à tous! Et bonjour tout le monde! Alors, c'est pas un unboxing aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, parce que l'heure il est déjà passée, et parce qu'on a été débordé. Mais depuis 2 jours, Jérôme il est sur Duality Pro. Donc j'y ai donné mon téléphone, moi j'ai travaillé toute la journée, et lui il a fait ça, il a essayé, il a fouiné, il a fait dans tous les sens, et il n'a pas eu le temps de me le faire. Par contre, il a fait à plein de clients qui sont venus au magasin pour le tester. Et c'est une merveille. Donc, j'entendais les réactions des clients pendant que moi je fermais les clés. Et apparemment, c'est que du bonheur. C'est cher, mais il y a deux versions. Ouais, alors c'est le light et le pro. Ouais, alors c'est cher, mais j'avoue que il y a quand même un sacré truc qui est derrière. Donc, vous payez pas quand même n'importe quoi. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment 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 excellent. Parce que du coup, on a quand même un tour de magie sur nous qui est le rêve du magicien. Puisque enfin, vous imaginez que c'est comme si je prends une carte, je demande au tuteur de dire un nombre, et quand je la retourne, c'est la bonne. Ben, c'est exactement ce qui va se passer. Enfin, une carte, un nombre, c'est exactement ce qui va se passer, mais sur une vidéo que vous avez filmée. Et que vous allez pouvoir lui envoyer en souvenir. C'est ça qui est quand même intéressant. J'ai entendu un monsieur tout à l'heure au magasin qui lui a dit, première réaction, tu n'as quand même pas fait, parce qu'il faut qu'il choisisse... Bah, non, mais c'est parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il connaissait déjà. Bon, déjà, à la base, c'est un magicien, magicien. T'as demandé un chiffre entre 1 et 99. Oui. Tu as fait la photo, la vidéo, c'est tombé son chiffre, et là, la première réaction, c'est, tu m'as quand même pas fait 99 vidéos. C'est vrai qu'on pourrait le faire. Eh ben c'est, oui. Apparemment, c'est pas ça. Il y a une seule vidéo, il vous la montre dès le début, il appuie dessus, ça démarre, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je voyais de loin. C'est ça. Et le chiffre que le spectateur annonce, c'est le chiffre qui aura été écrit à l'avance sur un papier qu'il a montré, ou sur une ardoise, ou sur un poster. Là où on l'a écrit. J'ai pas vu passer une vidéo où il y a des toilettes avec un papier au fond. C'est pas ça qu'on a vu? Je suis venu dans le bureau. Ah oui, mais ça c'est de... oui, non, mais ça c'était dans exemples. Le dans... oui, c'est des exemples dedans, ouais. Oui, ça c'est des trucs. Donc vous pouvez imaginer ce que voilà. Vous voulez, le mec il filme dans les toilettes, il y a un papier qui flotte et c'est marqué 37. Donc mais dites-vous bien que vous où vous avez filmé votre vidéo, où vous voulez que la prédiction soit marquée, elle sera marquée. Donc en respectant bien sûr quelques trucs, mais j'ai tourné tout à l'heure la vidéo où je note ça sur un morceau de papier, une petite prédiction dans un verre, ça peut être fait au dos d'un calepin, ça peut être fait directement tiré ici, et puis en fait j'ai noté, j'ai mis un panneau derrière lui, et puis quand il s'enlève, vous voyez le panneau. Derrière ma chaise, je me soulève et derrière ma chaise il y a marqué un chiffre. Par exemple, ça peut être une ardoise, ça que je tiens, je montre pas, et quand j'enlève la main, le numéro est dessus. C'est, vous avez décidé de noter votre prédiction, elle y sera. Voilà, du coup... Il va me faire la vidéo. Ouais, au moins comme ça tu vas voir réellement, parce que du coup, en fait, il connaît pas, il sait pas comment ça marche. Il a pas eu le temps de me le faire. Il sait pas comment ça marche, il a une idée forcément, mais il sait pas le... Pas du tout, parce qu'il y en a plein qui m'appellent. Non, mais t'as quand même l'idée, puisque t'as acheté le tour, donc t'es pas bête. Je connais la subtilité, je connais le déroulement du tour, mais je sais pas, parce qu'il y en a plein qui m'appellent, qui me disent comment on prend l'information, comment on envoie l'information, parce que c'est le but, de le prendre et de l'envoyer. Donc ça sera pas vocal. Ah non, parce que je t'ai demandé, parce que moi, petit à petit, j'ai posé des questions. Elle m'a dit, oh, t'inquiète pas, c'est pas vocal. C'est net, on lance la vidéo et j'ai dit, c'est impossible. Donc, et oui, c'est vrai que ça paraît impossible. C'est pour ça qu'il est cher, c'est pour ça qu'il est bien, c'est que derrière, apparemment, il y a... Non, c'est quand même exceptionnel, j'avoue. Voilà. Pour, bien sûr qu'on aurait pu faire une vidéo truquée, bien évidemment. Hein, je note 26 et puis il me dit 26 et je lance la vidéo, mais non. Donc du coup, la seule moyen qu'on a trouvé, pour pas dire qu'on est complice et que oui, on a monté la vidéo, c'est on a pris un jeu numérique, je vais le mélanger, il va être retourné, il va prendre 2 cartes au hasard, au moins comme ça vous êtes sûr et certain que la vidéo elle est pas pipée. Donc j'essaie de vous montrer réellement ça en live. Donc toi tu mets la caméra devant là. Oui, je vais donc bien sûr vous montrer la vidéo de ce que j'ai marqué. Je vais me mettre de l'autre côté. Exactement. Pour vivre le truc comme si tu me le faisais. Exactement, au moins comme ça tu vois en même temps ce que je te fais. Donc je serai à l'envers, j'espère pas me tromper. Mais voilà, donc du coup je vais mélanger les cartes, au moins tu connais pas l'ordre des cartes. Elles sont numérotées ces cartes. Allez. Oui. Ouais. Elles sont marquées. Oui, oui. D'accord. Mais bon, dans tous les cas, c'est pour ça que tu te retourneras. Autrement, il n'y aura aucun intérêt. Voilà. Alors ni toi ni moi, je vais mettre le jeu dessus.
pour choisir deux cartes. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ben, alors oui, moi là-bas, j'ai pas besoin de les connaître. Hein. Donc il a pas besoin de connaître celle-là, voilà. Ni celle-là. Il y en a combien? Ben je sais pas, deux. Deux. Alors celle-là et celle-là, on met ça dessus. Hop, voilà. Je sais pas si c'est assez caché. Et... Non, mais bon, c'est pas grave, puisque à la base. On le refait alors. Non, mais on s'en fout. Ils ont compris que j'ai pas besoin de connaître. Bon, allez, je regarde pas alors. Voilà. Allez. On va choisir une carte, mais au moment où on a fait la vidéo, il y a quelqu'un qui est rentré. Donc je regarde pas. Allez, tu regardes pas. J'espère qu'à ce coup-ci, il y a personne qui va appeler nous déranger. Hop, hop. Alors on vous le fait comme ça, bien évidemment, mais au moins on est sûr et certain, parce qu'il y a quand même des gens qui nous appellent quand on dit qu'il n'y a pas de complicité. Ah oui, mais vous êtes sûr que... Non, voilà, donc on ne peut pas faire mieux que ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui donnent des avis. Donc du coup, moi je veux ni connaître et forcément les cartes et ni tirer. C'est fait ? Tu veux pas te mettre de mon côté comme si tu... Oui, je vais me tourner parce que autrement je vais pas voir. Donc là, du coup, une fois que les cartes ont été choisies, le nombre a été pensé, hop... Je viens. Donc il me l'a même pas fini tout à l'heure le tour, donc j'ai pas vu. Donc là il y a dizaines et unités, d'accord? Si t'as envie. C'est moi qui choisis. Je vais hop dans ma galerie et je peux même donc montrer aux spectateurs. Donc tu vas venir lancer donc la vidéo, la mienne. Hein, ça les autres c'est les autres, donc tu peux bien voir. Tu restes tout chez? Ouais. D'accord. Lance la vidéo. Voilà. Et écoutez ce que je dis. Je parle maintenant et essayez d'écouter ce que je dis. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que justement vous êtes en train de participer à cette expérience. Je vais noter sur ce petit morceau de papier. Alors, juste. Juge mes pauses, pardon. Voilà. Là, je vous le fais maintenant. Là, on vous le montre comme ça, au moins comme ça, il n'y a pas de complicité. Mais bien évidemment, le nombre qui a été pensé, il peut me le dire, donc justement. Il va me le dire avant ou pendant la vidéo. Au moins comme ça, il n'y a pas de triche. Mais avant, c'est moins bien. Mais avant, effectivement. On pourrait dire, tu vas choisir la vidéo que tu as envie. Effectivement. Donc, vaut mieux le faire. Lancer la vidéo et demander, t'as pas un chiffre, 39, et tu la vidéo. Tout à fait. Donc, elle se déroule. Je vais plus parler, je vais remettre lecture, et vous allez écouter ce que je dis dans la vidéo. 1 et 100. Ne dites rien, je vais le noter. Donc là, on te voit noter. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Un nombre à deux chiffres. J'essaie de m'approcher. Je vais le garder secret pour le moment. Mais rappelez-vous, je vous ai posé une question. De penser à un nombre entre 1 et 100. Et ce qui est fou, c'est qu'en gardant un petit peu le suspense, je vais garder encore un petit peu le suspense, mais c'est effectivement... C'est fort. En plus, c'est marqué au stylo. Ah, c'est moi qui ai marqué. Donc là, la vidéo, elle tourne encore? Ouais, elle tourne encore. Voilà, et après, là, tu l'arrêtes. Je l'arrête ou je fais ce que je veux. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, ça tue sa race. C'est très fort parce qu'on se dit, mais c'est impossible. Donc, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ce qui est très très fort, c'est que bien sûr, là, si je recommence, je peux faire forcément autre chose en partant toujours de ma seule et unique vidéo qui est ici. Donc, alors, c'est des vidéos... Est-ce que ça, dans le light, tu peux le faire exactement de la même manière? Alors ça, comme ça, dans le light, je pense que oui, puisque là, dans la théorie, le fait de te parler comme je l'ai fait là, de mettre pause sur la vidéo pour machin, je pense que c'est ce qui est fait comme base dans le light. Voilà. Après le reste, les choses un petit peu plus poussées que pour l'instant j'ai pas encore. Enfin si, j'ai un petit peu joué avec, mais on va dire c'est un petit peu du tâtonnage. Donc il faut que je comprenne réellement comment ça fonctionne. J'ai ça sur mon téléphone. Oui, du coup t'as ça sur ton téléphone. Bon, ah, par contre t'as ma vidéo. Hein. Ça, ouais, mais je mettrai la mienne. Voilà. Tu me montreras. Donc mais oui, avec le light, donc du coup on peut faire. Alors la différence entre le light et le pro. Je l'ai noté ici, enfin je ne l'ai pas noté ici, c'est juste dans une review que le mec a très bien fait. Hop. Donc, dis ce que tu peux faire avec le light par rapport à ça. Alors ce qu'on fait avec le light, ben, c'est ce que je viens de faire là, donc une prédiction entre 0 et 99. D'un nombre. D'un nombre. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser les vidéos pré-enregistrées dans le Duality, mais forcément vous faites votre propre vidéo. Donc ça, ben, forcément... Vous faites ce que vous voulez.
Bon, bien sûr qu'on peut créer notre propre vidéo. On peut prédire un résultat également d'un lancer de Le dé, dés, ouais. donc qui est fait également dans le pro, il fait tout de manière, donc on va parler que du light. Donc le light, c'est ça. Voilà, ouais, Parce que je vois qu'il y a quatre verres. c'est ça. Et dans le light, par contre, on ne peut pas prédire de cartes à jouer, ni de dessin, ni de nom, ni de choses basiques. Ça, on ne peut pas. Il n'y a qu'une seule méthode pour envoyer, on va dire, la vidéo. Alors Envoyer que, voilà, l'information. envoyer l'information, alors que dans Alors là, je le. sais pas du tout comment t'as pu le Ben faire. oui, tu te dis comment c'est possible, parce Ouais. que bon, Alors, c'est et pas voilà. vocal. Ah, c'est pas vocal, non. Alors, si Non. c'est pas vocal, c'est Ben non, mais bon. alors vocal, alors il y a beaucoup de gens qui pensent à des choses vocales, mais ça serait trop compliqué, parce qu'imagine, tu dis, ben c'est 37, et puis d'un Non, coup tu parles. mais tu sais, quand tu regardes ça, il te reste qu'une solution. Je sais, mais non, pas du tout. On ne peut pas dans cette vidéo là, une fois que le spectateur l'a vu, je peux lui envoyer par message ou par mail, ce qui fait qu'il a en souvenir, il aura cette vidéo et voilà. Ça, on peut le faire que avec le pro. Dans le light, on ne peut pas envoyer, générer la vidéo pour l'envoyer au spectateur. Donc dans ça, tu peux faire des photos, des textes, des chiffres, Alors, c'est ça? eh ben, pour l'instant, je me pose la question. Ouais, parce que la photo, tu m'as dit que tu savais pas Pour encore. l'instant, je ne sais pas. Je pense que oui, puisqu'on peut générer. Alors, un texte, oui, ça, je l'ai fait. Puisque j'ai fait, avec la dame de carreau, là, j'ai essayé un truc. Donc, je suis arrivé à mettre un texte. Ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, générer une photo, dans la théorie, je pense que oui, Une mais photo, pour ça veut dire l'instant. quoi? Ça veut dire que tu veux générer un set de pics? C'est ça, tu prends une photo d'un set de pics? Par Ça veut exemple, dire que tu prends ben une prédiction d'une carte à tu jouer, mets une genre. carte et quand on la retourne, il y a le dessin Voilà, ce que je veux dire, c'est d'un que set de pics. c'est pas 7 de pique marqué au Oui. stylo. Donc, puisque on peut normalement gérer des images, d'après ce que j'ai compris, et des dessins. Alors, les dessins, j'ai vu, mais bon, je suis pas allé jusqu'au bout, donc ça pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais voilà, déjà je m'arrête au nombre. Ça, j'ai regardé à la perfection les nombres, les machins, tout le système et tout. Donc je sais comment on s'en sert et je sais bien le paramétrer. Donc voilà, donc ça je sais que ça fonctionne dans les deux. Donc que ce soit autant le light que le pro. Après le reste, pour l'instant, on retournera une vidéo On si fera on. une deuxième vidéo pour vous dire vraiment une fois qu'il a bien peaufiné Ben. tout, mais dans tous les cas, on va Ben, c'est commencer à pas faire ça, c'est que. l'explication. Enfin, si on peut vraiment mettre une image et qu'à la fin, je sais pas, je dis, on a un dessin dans un cadre, on tire un foulard et puis le mec il a voulu partir à Tahiti et d'un coup tu te vois à Tahiti derrière, je trouve l'idée ultra forte. Mais pour l'instant, voilà, j'en sais pas plus. Donc. Le seul problème, c'est que nous, on va faire l'explication du pro. Puisque moi j'ai acheté le pro. Oui. Donc je vais pas acheter un light. C'est sûr. Donc je Ben, vais de. poser des questions à ceux qui l'ont Ah non, acheté. mais le light, ça c'est sûr et certain, ça va être que les nombres entre 0 et 99. Donc D'accord. voilà, donc Oui, en mais gros, l'explication, ce sera la même de ce l'explication, que ça tu viens de sera faire maintenant. exactement la même. D'accord. Là, pour faire que ce tour-là, le light, ben, il le fait, il n'y a aucun souci. Et du coup, l'explication, ben, on la fera aussi, puisque après, de toute manière, que ça soit une image, un texte ou un truc, on va dire, le système de programmation est complètement identique. Donc j'appellerai ceux qui ont acheté le Ah light, oui, ils me pour. diront tout ce qu'ils peuvent faire, on fera une vidéo que sur le light, et après tout ce qu'on fera en plus, on ne le mettra pas dans le light, ça sert à rien, Tout puisqu'ils à n'ont pas fait. acheté, et on le mettra dans le pro. Tout à Ok. fait. Donc voilà, après, que dire de plus que effectivement toutes les, Ben perso, moi les. déjà, je trouve que c'est top Ah non, hein. mais c'est C'est top. exceptionnel. Le façon de. Le Après, il ne faut pas C'est en dire trop original non plus, le mais fait je veux dire. d'envoyer une vidéo et que dans la vidéo on voit déjà ce qui s'est passé, parce qu'une vidéo ça a été quelque chose qu'on a déjà fait avant, donc c'est un truc qui Oui. peut plus Non, changer. mais c'est pas ça que je Dans voulais dire. la tête des Je gens, voulais. c'est une vidéo, c'est un truc que tu as déjà fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était au niveau de la prédiction finale. Par exemple, là, je l'écris à la main. Mais du coup. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle prédiction, même par exemple sur ça aurait pu être une prédiction, Un message qui est sur une lettre. un message sur. Oui, ça même. Oui, Non, tu peux oui, faire ce que voilà. tu veux. Mais je veux dire, ça peut être même quelque chose vu sur un écran. Je veux dire, c'est. Enfin, la prédiction à la fin est réelle. J'arrive pas à expliquer. C'est par exemple.
C'est pas un truc où j'ai écrit et puis d'un coup on verrait écrit, je sais pas moi, par exemple 13 sur un écran. C'est si par exemple ça doit être écrit informatiquement 13 parce que. Ah, tu veux dire Tu que vois ce que je veux à la dire? fin, tu aurais pu passer la main devant? Non, c'est pas ça que je veux Non, c'est dire. pas ça? Que tu qu'il puisse pas penser que c'est collé à la vitre et non pas Non, non, collé non, 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 ce que je dans veux le dire c'est texte? que. Ben, tu sais pas t'expliquer en tout cas. Non, j'arrive pas à dire. Là, c'est une prédiction que j'ai écrite manuscrite, d'accord? Ben, on t'a vu écrire, Non, mais ce donc. que je veux dire, c'est que s'il y avait eu. C'est quoi, t'as joué déjà? 39. 39, on aurait pu penser que cette écriture soit la même pour tout. Par exemple, si on veut faire un truc informatique, c'est pas normal que j'aurais été écrit à la main. Tu vois, par Non exemple, si mais par exemple, quand j'avais marqué 39. c'est la réflexion que Voilà. j'ai eue. J'ai dit, eh ben, on voit vraiment que tu as écrit à la Voilà. main. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas écrit 39 en lettres informatiques. Capital, ouais. Voilà. Si on me voit écrire et d'un coup je montre que c'est écrit 39 ou 37 Ben, en ça serait lettres, bidon. ça serait C'est bidon. la première Voilà. réaction que j'ai eue. J'ai dit, eh ben, en plus, ça se voit que tu l'as écrit à la main. Ah, et c'est ça qui est entièrement aussi paramétrable. Et donc, du coup, on peut se permettre donc justement de poser, parce que c'est le cas, d'aller poser donc du coup notre prédiction en fait un petit peu où on a envie. Et du coup, ça crée une imagination Bah, tu aurais débordante. pu ici écrire ça avec marqué 39 à C'est ça, l'ordinateur, exactement. en disant ben, Voilà, c'est ce ça que je veux tour dire. il a un chiffre, je vous le montre pas, dites-moi en un et bim, C'est c'est le ça, bon. et on aurait été sur la même calligraphie de ça, donc du Voilà. coup c'était sûr que c'était inscrit sur ça depuis le départ, comme si ça avait été imprimé. C'est vraiment très très Ça, puissant. j'avais compris. Voilà. Soit il est écrit à l'ordinateur parce que c'est le texte qui est comme ça, soit il est écrit à la main parce que tu es en train de l'écrire devant tout le Bah, c'est monde. ça. Je comprends. Et du coup, on peut tout faire. Donc on Mais c'est beau, c'est beau. Alors, je ne peut. sais pas ce qu'on a oublié de dire pour informer les gens, Alors mais on peut écrire en couleur aussi. iPhone et Android? Oh oui, iPhone et Android, oui, iOS et Android, D'accord, ok. ben, c'est marqué dedans, hein. Donc on va pas le. Donc, vous allez recevoir une carte. Bon, ça va me montrer, c'est marqué ici Apple Store et Ouais, Google ça, c'est Play. quoi une carte? Ah non, elle est collée. Elle est collée, D'accord. c'est juste ton Alors, activation de vous code. allez recevoir ça. Avec un code qu'il faut gratter, apparemment, c'est ça. C'est ça. Mais si vous voulez pas que je vous l'envoie, si vous voulez acheter ça, non, de toute façon, dans tous les cas, ils payeront pas les frais de port. Donc, si Oui. vous voulez pas que je vous l'envoie, parce que vous êtes pressé, vous m'appelez, je vous fais une photo et je vous l'envoie par mail, En gros, par on vous le gratte le truc, on vous je fait fais une une photo et on photo. vous l'envoie. Je mettrai votre nom sur le carton ici. Le jour où vous passez une commande, vous nous le rappelez, on vous le mettra dedans. Voilà, ça vous servira plus à rien parce que dans tous Voilà. les cas, c'est un truc à usage unique, hein, donc par contre, Mais au moins, ils ont leur voilà. preuve d'achat. C'est... Donc, voilà. Si vous êtes pressé, il y en a qui vont être pressés. Voilà, je l'ai acheté, je ne veux pas l'avoir dans 3 jours. Si vous pouvez me l'envoyer, hop, et voilà. Exactement. On peut faire ça aussi. Voilà, ben à partir de lundi, j'aurai le Lite et le Pro. Et moi j'ai hâte de voir La suite. la suite parce que apparemment bah non, j'allais en dire trop. Franchement, personnellement, maintenant que tu sais que ça existe dans mon téléphone, ça dirait pas de l'avoir dans le tien? Ouais non mais c'est fort, ouais, c'est balèze. Ben, j'ai hâte de voir la suite pour savoir si je vais le mettre dans mon téléphone. Parce que si on peut vraiment faire ce que je pense. Mais déjà ça, je Ah non trouve mais que ça c'est exceptionnel. déjà, il faut juste se Mais. mettre à la place du spectateur ou à Là, votre c'est place à exceptionnel, vous. mais on pourrait encore dire, bon, attends, là, tu nous as montré, t'as arrêté, t'aurais pu, je sais pas moi, cliquer des choses derrière, machin, donc. Non, je pense pas. Et je sais Je qu'on peut pense aller plus pas. loin, puisque je l'ai fait, mais comme j'ai tatillonné et que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, sans savoir exactement comment ça fonctionne, mais j'ai vu que ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir un autre paramètre, qui est un paramètre, on peut le dire, de gyroscope, qui va permettre de faire quelque chose d'important, et je sais que toutes les explications sont dedans, mais c'est en anglais. Et donc, et ça fait beaucoup de pavés à lire. Mais bon, bref, je vais y arriver parce que quand j'aime bien un truc, j'y m'y mets à fond. Bien, bien, bien. Parce que moi, je me vois faire ça en famille ou parce que je vais le faire au jour de l'an, qui est demain. Tu me montreras. Écoutez, les gars, j'ai fait une vidéo à l'avance. Elle est là. Je peux pas avoir l'heure truquée. Alors en plus que, sur, non mais oui, j'allais dire je te montrerai, mais même qu'il y a ma vidéo, une fois qu'on sait le faire, allez, franchement, chrono en main, je parle sur le chiffre, hein, tout ça, les trucs basiques, hein, allez, en 4 minutes, 5 minutes, t'as refait ton montage. D'accord. Moi, je veux. Alors, je Voilà. t'explique. Je suis aux toilettes, la culotte baissée, en train de faire. Ah ben il vaut mieux, autrement tu te chies dessus, hein. En train de faire popo. Et là, je dis,
Bonjour tout le monde, parce que la caméra elle est en face, je vais me poser le téléphone. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour être au calme. C'est là où je m'entraîne, c'est là où je bouquine, c'est là où personne ne me dérange, pas mes enfants, pas ma femme, rien. Et cool. Là derrière moi, vous voyez un bout de cadre et j'ai fait une prédiction. Hmm? Ouais, mais à qui je le dis au fait, le chiffre? Ah ben oui, je continue. Et là, donc, puisque je tiens le téléphone après, voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à lui dire, de me dire votre numéro, et vous allez voir, je vais me pousser, et vous allez voir. Tout à fait. Vous êtes sûr? On peut y aller? Je fais ça. Mmh. Hein? Et là, il y a la vidéo. C'est oui. Exactement ça. Oui. Alors, nickel. C'est-à-dire que tu vas te pousser. Donc, ou même, on peut déjà même voir un peu le bout du cadre, même. Tu oui, te parce pousses. Que on voit le cadre. Voilà, tu te pousses. Ben c'est, oui, c'est ce que fait dans le truc. Tu te pousses et tu as le chiffre. Et quand tu peux même revenir devant, il n'y a aucun souci. Revenir et repartir et revenir, il y aura toujours le chiffre. Oui. Putain. Eh ben, je vais aller m'asseoir sur mes non. toilettes. Quoi? Non, pas ça. Quoi? Non, quand même pas. Tu te pousses, il y a le chiffre. Je reviens, c'est fini. Tu reviens, la vidéo, elle est terminée. Bravo. On va pas exagérer non plus, quand même. Ouais, je saurais pas pourquoi. Mais c'est... du moment que je montre qu'il y a le chiffre et que je me mets là et que je dis je finis ma blague. Non, mais c'est cette subtilité, effectivement, de montrer le chiffre. C'est ce que je voulais faire avec le verre, en fait. Montrer le chiffre et récupérer la carte ensuite. Mais bon, je me suis pas embêté. Mais c'est vrai que c'est tellement simple qu'une fois qu'après qu'on a cette petite subtilité, et encore, je sais même pas s'il faut les faire parce que c'est tellement puissant pour le spectateur. Oui. C'est trop puissant. C'est bien. Je pense que je vais me régaler longtemps 200 avec... 200 et quelques euros, je ne sais pas, je me rappelle plus le chiffre exact. 230, le Duality Pro. Ouais. Ben, je ne sais pas si c'est les vrais chiffres, parce que Murphy nous dit de le vendre 250, donc peut-être ça monte, peut-être ça descend. Ouais, enfin bon, c'est dans ses alentours, quoi. Voilà, je ne sais pas combien on va le mettre. Il faut que je regarde un peu le bon prix, voilà, et après, à vous de jouer. Non, c'est... Mais perso, moi, qui l'ai vécu, je trouve ça bien. Maintenant, ouais. Vous, de votre côté... Ça fait mal, quand même. Alors, c'est quoi la difficulté pour quelqu'un qui... faut qu'il sache manipuler un téléphone, quand même? Ben, franchement... On se met encore. Je mets ma caméra là. Je me filme. Première chose à faire, c'est je me filme. Ben, il faut filmer la vidéo, une vidéo que tu as envie. Donc, moi, je mets la caméra là. Je dis, je parle. Bonjour tout le monde. Derrière, il y a un truc. Je fais ça. Je reviens. J'appuie. Et là, le tour il est fini. Si ta vidéo est faite. Ma vidéo est faite. J'ai rien à... voilà. Donc le plus dur, si ça c'est ça le plus dur, c'est pas le plus dur. Ouais, on va dire que c'est ça le plus dur, ouais. Parce qu'en fait, trouver le bon angle, poser. Mais non, mais le bon angle et la bonne vidéo qui donne aussi envie. C'est sûr que si t'as. Enfin, oui, bah oui, c'est ça. Après, le reste, une fois qu'on le fait une fois, après, c'est quand même assez. Enfin, de manière, vous aurez l'explication en français, du coup, puisque sur ça, il n'y a pas de souci, maintenant, je sais bien le faire. C'est quoi? C'est les vidéos que j'ai vues là, quand tu me l'as montré. Mais ça, c'est les vidéos qu'il y a dans des vidéos préenregistrées qu'il y a dedans. Donc je peux les enlever. Ah, tu peux les supprimer si tu veux, oui. Parce que là, on voit plein de vidéos, donc c'est pour ça que j'ai pas compris d'où ça vient. Mais j'aurais pu laisser que la mienne. Ah oui. Qu'une seule vidéo. Tiens, regarde, tu cliques sur ça, voilà, tu la veux pas. Hop, voilà, tu l'as plus. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Il y en a une en moins. Ok, donc j'enlève tout, parce que moi, je veux pas qu'il y en ait plein. Ah ben non, mais et tout je à fait. Veux que la mienne c'est en ça. Plein milieu. Exactement. Donc, nickel. Donc, non, non, après, l'application en elle-même est extrêmement, quand même, Si vous regardez cette intuitive. Vidéo, c'est que justement, vous êtes en train donc, de c'est, de cette expérience. C'est très simple. Là, je vais noter sur ce petit morceau de papier... Je comprends rien. Mais bon, enfin, bon, voilà. Après, non, ça reste quand même très, très simple. Et donc du coup il n'y a aucun souci. De toute façon, il n'y en a pas d'autres vidéos, c'est toujours la même, disons c'est celle que tu as choisie pour aujourd'hui. Exactement. Mais si on fait une autre dans un autre endroit, exactement. Je comprends, le papier peut être rouge. Là il est blanc. Ah oui, ça c'est, on s'en donc, fout, ça on veut a dire rien que à foutre. Si j'ai mis un papier rouge, ce que je veux... C'est, tu fais ta vidéo que tu as envie. Voilà. D'accord. Donc là, tu l'écris sur un papier, mais j'aurais pu l'écrire à la craie sur un... J'aurais pu l'écrire sur un tableau noir. Alors, c'est une bonne question, ça. D'accord. Est-ce que tu peux l'écrire... oui. Oui. D'accord. Oui. Si, donc. Si, tu peux. Et en plus, oui. Alors ça, oui, tu peux. Donc je peux l'écrire sur... Ouais.
au Velleda sur une ardoise de Velleda. Oui. Sur un papier blanc, sur un papier rouge, papier bleu, papier... Oui. D'accord, je peux écrire en couleur ? Oui. Une écriture rouge, vert, bleu, jaune ? Normalement, oui. D'accord. C'est pour ça que je dis normalement, parce que j'ai déjà réussi à changer ma couleur, mais comme moi, j'ai écrit toujours en noir. D'accord, il y a beaucoup d'infos, d'options, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Ouais, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais écrire à la craie sur un tableau noir, ça oui, tu peux. Ça, c'est que je suis quasiment sûr. Enfin, j'espère pas dire de bêtises, mais normalement, oui. Donc... Donc en gros, il y a quasiment rien qui nous arrête. Il faut quand même respecter bien sûr quelques trucs, parce que c'est pas non plus un miracle. Mais 19h41. Oui, je sais. On doit partir à 19h. Mais c'est très très fort. Non, franchement, c'est très très fort. Là, on parle comme ça dans le vide, mais c'est vraiment excellent. Mais on essaye de dire le maximum de ce qu'on sait, parce que le reste, ils vont nous le demander par téléphone. Et on verra les questions et on les répondra en plus dans la deuxième vidéo. C'est ça. Ben voilà. Si vous avez des questions, vous savez comment ça marche, appelez-nous. N'envoyez pas de mail, ça sert à rien. Vous nous appelez, on vous répond. Moi, si je ne sais pas, je vous passe Jérôme. Et voilà. Et à partir de la semaine prochaine, puisque là, il y a le jour de l'an, à partir de la semaine prochaine, il reprend le téléphone et il va jusqu'au bout et on continue à vous faire l'explication en détail de tout, de tout, de tout. Ah ben voilà, jusqu'au bout, c'est juste les images qui me manquent. Hein. Les images, les dessins, pour voir comment ça donne. Et si je vois qu'on peut faire ça... Enfin, ça serait exceptionnel, ça, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Parce que après, même si ça reste automatique, bon, il faut quand même connaître des choses. C'est en français ? Non. Mais on s'en fout en fait du français, puisque de manière, c'est que des logos. Donc, le peu de choses qu'il y a en anglais, c'est... Ouais, c'est comme s'il y avait marqué yes et no. Ouais, voilà, on s'en fout. Après, les instructions sont en anglais, donc ça, il n'y a pas le choix. Et les textes des inscriptions, des explications sur tous les modes, on va dire, de fonctionnement, ça, c'est en anglais. Bon, ça, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais bon, comme il va vous dire, ça, c'est ça, ça, c'est ça, voilà, ça, c'est ça, ça sera facile. Et puis, sur des trucs comme ça, rien ne vous empêche de prendre l'anglais. Hein, quand moi, je comprends pas, souvent, ben, je vais sur Google, je tape ce que je comprends pas, il me traduit, et puis ça y est, j'ai compris. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais bon, le tour en vaut vraiment la chandelle. Donc tu peux l'envoyer par mail à un collègue, à celui que tu lui as fait le tour, pour avoir un souvenir. Alors ça, je sais qu'on peut l'envoyer. Maintenant, on peut l'envoyer sûrement par mail, sur Facebook. En fait, de manière, du moment que je peux te partager la vidéo, après je peux te la partager, je pense, où j'ai envie. C'est une bonne question, je sais pas, vas-y voir, tiens. Je fais ça. Ou ça, sûrement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on vient cliquer. Donc pour partager la vidéo, par exemple, c'est très simple. Donc même si c'est ridicule de vous le montrer là, mais c'est très simple. On va venir cliquer sur la vidéo, venir avec le petit bouton ici, et c'est marqué partager. Et ça, donc on partage la vidéo. Alors du coup, on va en faire juste un test pour voir ce que je reçois moi en tant que spectateur. Donc si tu me la partages par exemple sur Facebook, Gmail. Il n'y a pas WhatsApp toi là, ici là ? Là, non, c'est quoi ça ? Plus. Online. Si tu me la partages par WhatsApp par exemple, on va juste voir ce que ça fait. Donc envoyer à. Allez. Ouais, tu l'as coupé. Ouais, je l'ai coupé, ouais. Toi, ton... WhatsApp, voilà. Je suis où, moi ? Je ne sais pas, sur mon WhatsApp. Comment on fait, alors ? Je sais pas, je connais pas le WhatsApp. Voilà, tac. Alors, on va voir, hein, si je reçois, moi, la vidéo. Ok, donc elle est en train de se charger. Elle se charge. Je veux juste, au moins tant qu'à faire, on vous montre ça aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant. On peut pas le faire avec le light, mais si on le fait comme ça facilement,
Et là, ça a été vraiment instinctivement. Donc, si on peut pas le faire avec le light, ça veut dire, est-ce que vous, ça vous arrange de l'envoyer, ça peut faire un truc en plus, ou est-ce que moi j'aurais préféré l'envoyer avant? Ah non, mais ça, c'est pas bon. Ben, dans tous les autres, c'est ce qu'ils font. Ça, je suis pas sûr, hein. On fera des essais, on va l'envoyer avant la vidéo pour voir. Donc, du coup, est-ce que moi j'ai reçu une vidéo? Donc je reçois une vidéo, je la lis, et maintenant est-ce que donc c'est cette prédiction qui est là ou pas? Bon, j'avance un peu. C'est fabuleux. Donc oui. Donc effectivement, là, je me suis transféré donc la vidéo du tour à Thierry, hop, en vous le montrant. Juste ici. Oui, il a changé les chiffres, il a mis 36 au lieu de 39. Mais rappelez-vous, Je vous sais n'avez pas qu'une comment t'as fait. elle cache la tête. Entre 20 et 100. Je sais pas comment t'as Voilà. fait. Donc effectivement, maintenant j'ai la Je regarderai un vidéo petit peu de, enfin dessus. pas de tout Quand à je l'heure, tout regarde à l'heure un c'était peu de 37 ou suspense, 39, ben je me rappelle si plus. effectivement Et là, bon là c'est 36 parce que j'ai envoyé une autre l'un vidéo. ou l'autre. Mais du coup, ben maintenant votre spectateur aura à vie ce souvenir sur son téléphone Il pourra le raconter, le et il raconter. pourra le raconter et justement le faire vivre. Donc c'est fabuleux. Ah ben alors là. Voilà. Bon. Ben Bien. on a pris un peu de temps. Bien, On bien, bien. l'a fait devant vous, mais au moins comme ça, vous aurez vu que du coup c'est intéressant de faire ça. Hop là. Voilà, je crois qu'on a assez parlé. Et donc ça, c'était une petite démonstration, une petite review de Duality Pro de chez Cobra Magic. Un petit remerciement, j'ai envie de dire. Ouais, On nous a offert des chocolats. c'est vrai. Ah ben oui, parce Il qu'ils vont a... sûrement regarder la vidéo. Alors, merci Eric à Eric et et Jean-Hud. Massard. Donc, Voilà, merci pour les Eric Morelli. chocolats. Ils n'ont pas duré longtemps, mais c'était très bon. Effectivement, Mais ils étaient c'était pas de la excellents. merde, hein. C'était Il est encore là-bas, la Mais boîte. ouais. Et Merci à vous du très deux. bon. C'était Merci très aussi gentil. à Michel, hein. Il nous a amené C'est vrai. du gâteau, des chocolats. Toi, je sais pas ce qu'il t'a donné, des nougats. Ouais. Bon, mais Michel, il vient toutes les semaines nous amener des cadeaux. Mais merci à tous ceux qui nous envoient des cadeaux pour nous remercier de peut-être notre gentillesse. Plus moi, je pense, c'est pour ça. Plus moi, parce que toi, si tu manges, tu vas grossir. Moi, c'est. Donc merci à tout ça. Merci pour les messages que vous mettez sur les réseaux. Merci de partager. Merci de mettre des j'aime. Et ça nous donne envie de continuer. Alors, oui, non, j'allais vous dire un truc avant de partir. Ces vidéos qui sont mises sur le téléphone sont projetables sur grand écran. Alors, je sais pas si le light le fait. Je pense que oui. Mais du coup, la vidéo qui est sur le téléphone, si vous voulez faire un spectacle justement et reprojeter ça sur un grand écran, en fonction bien sûr du Bluetooth, Wi-Fi, ça dépend comment vous allez faire ça. Du coup, on envoie la vidéo sur des écrans plus importants pour pouvoir justement animer toute une salle entière. Donc ça, c'est possible. Donc je vais voir aussi en détail ce truc-là. J'allais oublier. Voilà, tout est bon? On va faire ça en unboxing la semaine prochaine, qu'on vient de recevoir aujourd'hui. Bill Box from Empty Bag. Donc je pense bah, des productions de billets dans un sac. Ah bah oui, c'est les. Les sacs en billets, c'est on nous l'a Ah bah oui, réclamé. c'est bien ça. On nous l'a réclamé. C'est les sacs à fleurs, les classiques, hein, le dream bag, mais avec les billets de banque. Les Ça, stylos c'est de rechange. les recharges de stylos du tour Color Match Avec les batteries. avec les batteries. Et ça, on avait bien aimé sur la vidéo, on va Et ça, voir en vrai. ah oui! On va Et voir en vrai. ça, c'est sympathique, ouais, on le verra en vrai. C'est l'aiguille, enfin, la ficelle qui traverse le chat de l'aiguille d'une façon qui est quand même extrêmement magique, donc à voir. On en a d'autres, si on les a pas Et vendus ce week-end, on les aura la semaine effectivement, et ça, prochaine. c'est quoi? Mais ça Needle va avec. True. Ah ben oui, c'est ce qui va avec, c'est l'aiguille, ouais. Voilà, petit unboxing qui n'en est pas un. Et ben, à la semaine prochaine, merci à tous et soyez forts et bonne fête de fin d'année. Amusez-vous bien, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas.
C'est vrai. Voilà. Et c'est tout? Et faites la fête un maximum à partir de lundi. Ben, si vous êtes bourré, vous n'irez pas au travail. Voilà. Allez, bye bye, on vous aime. Merci à tous. Allez, à Soyez en bientôt forme. et bonne année. Pas encore. Ah oui, mais bon. Bonne fête de fin d'année. Bonne fin de fin d'année, ouais. Ouais, mais faut tout que je dise. C'est vrai. On dira la bonne année la prochaine la fois. prochaine fois. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye.